Julien, 25 ans de Villejuif, et Kevin, 30 ans de Saint-Nazaire, ont chacun de leur côté à en suggérer le grand portrait d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Grâce au chef-d'œuvre de Marguerite Ursenard, Mémoire d'Adrien, un chef-d'œuvre paru en 1958, la vie et la personnalité de cet empereur romain nous sont plus familières que d'autres. En compagnie de Catherine Salles, j'ai toujours grand plaisir de recevoir Catherine Salles à ce micro. Nous allons évoquer cette existence hors du commun, notamment à travers le prisme des voyages de l'empereur. Et puis tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Massimilano. Il voudrait savoir depuis quand on porte le pantalon. Bah pourquoi pas? Quand j'étais petit, on portait des pantalons et c'était plutôt le fait des hommes. Maintenant, on porte un pantalon et c'est devenu unisex. Le, le monde évolue, c'est comme ça. Premier élément de réponse. Pour le moment, nous allons nous plonger à une époque où il n'y avait pas encore de pantalons, quoique il y avait les braies gauloises, dans la Rome antique où tout le monde, en général, se promenait jambes nues sous la toge. Histoire. Les grands portraits. Franck Ferrand. le voyage, alors que n'importe quel historien sait à quel point, certains de nos ancêtres ont pu avoir la boujotte. Oh, pas les paysans, bien entendu, pas les petites gens attachés à leur terroir, mais une certaine élite voyageuse qui, depuis des millénaires, n'aura eu de cesse de découvrir du pays. Ainsi, dans l'Antiquité, les voyages ont-ils fait partie de la formation des jeunes patriciens de Rome? Sénèque, le précepteur de Néron, son ami, disons-le, en vente du reste les mérites, c'est la nature des choses célestes d'être toujours en mouvement, écrivait-il. Celui, qui va devenir l'empereur Adrien, dès son plus jeune âge, a eu le goût des voyages. Il faut vous dire que Adrien est né dans la péninsule hispanique, d'abord, au départ, hein, pas très loin de Séville, au début de 76. Il a passé les dix premières années de sa vie dans cette contrée natale, avant de découvrir Rome, où il va rester jusqu'à ses 15 ans pour parfaire son éducation civile, intellectuelle et militaire. Il revient ensuite dans sa ville natale, sa ville natale c'était Italica très précisément. Il devient d'ailleurs magistrat supérieur de cette ville et après son service militaire, il effectue son premier véritable voyage dans les Balkans, au bord du Danube, en Germanie supérieure. Après quoi, il retourne à Rome pour vivre auprès de l'empereur Trajan, qui était le cousin germain de son père. Il va dès lors parcourir l'empire pour des missions militaires. Il passe par Athènes à deux reprises, en 111 et 112, puis par Antioche, en Syrie de l'époque. Il est nommé d'ailleurs, à ce moment-là, il est nommé légat. D'Orient. Et il va devenir empereur euh, en 117. Nous verrons tout à l'heure avec Catherine Salle dans quelles circonstances. Il devient empereur à la mort de Trajan. Il a été acclamé, bien sûr, par les troupes en tant qu'impérator. Et au lieu d'en profiter pour retourner tout de suite à Rome, eh bien, Adrien, je devrais dire désormais. L'empereur Adrien va continuer à voyager pour pacifier l'Orient. Tout à l'heure, dans le lancement de cette émission, je vous disais que ce sont les mémoires d'Adrien, évidemment, qui m'ont amené vers ce personnage. Voilà ce qu'écrit Marguerite Ursenard. Elle fait parler, bien entendu, l'empereur Adrien. Sur 20 ans de pouvoir, dit-elle ou dit-il, j'en ai passé douze sans domicile fixe, j'occupais à tour de rôle les palais des marchands d'Asie, les sages maisons grecques, les belles villas munies de bains et de calorifères des résidents romains de la Gaule, les huttes ou les fermes, la tente légère, l'architecture de toile et de cordes était encore la préférée. Les navires n'étaient pas moins variés que les logis terrestres. J'eus le mien pourvu d'un gymnase et d'une bibliothèque, mais je me défiais trop de toute fixité pour m'attacher à aucune demeure, même mouvante. La barque de plaisance d'un millionnaire syrien, les vaisseaux de haut bord de la flotte ou le caïque d'un pêcheur grec convenaient tout aussi bien. Le seul luxe était la vitesse et tout ce qui la favorise. Les meilleurs chevaux, les voitures les mieux suspendues, les bagages les moins encombrants, les vêtements et les accessoires les mieux appropriés au climat. Mais la grande ressource était avant tout l'état parfait du corps. Une marche forcée de vingt lieues n'était rien. Une nuit sans sommeil n'était considérée que comme une invitation à penser. Peu d'hommes aiment longtemps le voyage, ce bris perpétuel de toutes les habitudes, cette secousse sans cesse donnée à tous les préjugés. Mais je travaillais à n'avoir nul préjugé et peu d'habitude. J'appréciais la profondeur délicieuse des lits, mais aussi le contact et l'odeur de la terre nue, les inégalités de chaque segment de la circonférence du monde. J'étais fait à la variété des nourritures, gruo britanniques ou pastèques africaines. Il m'arriva un jour de goûter au gibier à demi-pourri qui fait les délices de certaines peuplades germaniques, j'en vomis, mais l'expérience était tentée. Voyageur dans l'âme, que cet empereur euh, Adrien qui va vouloir, à partir de, du moment où il est au pouvoir, qui va parcourir cet empire dont on disait que sur euh, l'étendue complète de l'empire romain, le soleil ne se couchait pas. C'était pour lui une sorte de, de vocation en quelque sorte. Alors il se rend en Égypte, à Alexandrie, puis dans les Balkans et en Asie mineure. L'empereur ne regagne Rome qu'après tout cela et ça ne l N'empêchera pas de continuer à voyager. Voilà ce que nous dit dans sa biographie d'Adrien Joël Schmitt. Il a déjà traversé, mais sans pouvoir les admirer, maintes contrées et des villes prestigieuses dont il n'a pu qu'entrevoir les beautés et les sites. Il lui sied à présent de se nourrir l'esprit de tant de splendeurs naturelles, de jouir de cet empire romain unique au monde, non plus en militaire, mais en promeneur, en visiteur, en administrateur et, quand la religion l'exige, en pèlerin. Au cours de deux grands voyages, il va devenir le premier véritable touriste du monde. Adrien veut aller à la rencontre de tous les habitants de son empire, qui, je vous le dis, est immense, de l'Atlantique jusqu'au Golfe Persique, de l'Écosse jusqu'au Sahara, des Carpates à la Cyrénaïque, de la mer Noire au Soudan. Henri Stirlin dit dans un livre sur Adrien l'architecture romaine, je le cite ces frontières incluent les pays actuels que sont la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Suisse, les régions de la Rhénanie et de Bad Wurtemberg, la Bavière, l'Autriche, l'Italie, la Yougoslavie, la Grèce, la Roumanie, la Turquie, la Syrie, l'Irak, le Liban, Israël, la Jordanie, l'Egypte, la Libye, la Tunisie, le nord de l'Algérie et du Maroc et Adrien pense être en quelque sorte le seul qui ait le pouvoir d'unifier ce vaste empire et d'éviter un soulèvement d'une ou l'autre des provinces. Il est le ciment vivant de l'Empire romain, nous dit Schmitt sans lui et son ascendant personnel, tout pourrait se déliter ou sombrer dans l'anarchie et les guerres intestines. Il se veut un empereur de terrain qui prend contact directement avec ses sujets pour connaître leurs préoccupations, leurs demandes et aux besoins y remédier. Du coup, ça peut s'articuler autour de trois mots discipline, réorganisation et, si j'ose cet anachronisme, modernisation. Un extrait de l'ouverture de Norma, de Bellini et retour avec vous, Franck Ferrand, au voyage d'Adrien. Ce qui importe avant tout à Adrien. C'est la sécurité de cet empire qu'il va renforcer partout par l'installation de garnisons, par la modernisation de certaines villes, par des fortifications aussi. Dans l'histoire euh, Auguste Vie d'Adrien, on peut lire Cette armée est si bien entraînée que la cavalerie batave traverse un jour le fleuve Ister à la nage avec ses armes. Ce spectacle frappe les barbares d'admiration. Pour garantir l'unité à l'intérieur de l'Empire, Adrien va créer des colonies, des municipes. Les colonies assurent le contrôle des territoires et des vétérans des armées romaines y sont envoyés constamment, bien entendu. Les colonies sont entièrement soumises aux lois et aux coutumes romaines. Quant aux municipes, il s'agit évidemment de leur laisser une certaine autonomie. Hein, qui, euh, on va voir euh, tous ces lieux conserver leurs propres lois, leurs coutumes indigènes, tout en participant, bien entendu, aux devoirs et aux droits de la citoyenneté romaine. Adrien va également chercher à mettre en valeur les villes et les territoires de son empire. Et il fait euh, remanier un certain nombre de, de grandes artères, il en crée de nouvelles, il construit, il réhabilite des monuments dont certains d'ailleurs étaient très anciens qu'il va restaurer. Il y a une âme de restaurateur chez cet empereur. Il met en valeur autour de ces villes l'agriculture, bien entendu, il développe le commerce, euh, tout en euh, continuant Personnellement, à découvrir les coutumes locales, à voyager, à s'adonner aussi à sa véritable passion qui est la chasse. C'est pour ça qu'Adrien est accompagné d'une véritable cour itinérante. Il y a toujours autour de lui des ingénieurs, des arpenteurs, des techniciens. Ça fait un petit peu penser, si l'on peut dire, hein, et pour faire des rapprochements qui sont peut-être légèrement hasardeux, ça fait un peu penser à ce que fera Bonaparte tant de siècles plus tard au cours de la campagne d'Égypte. Vous savez, quand il se promène avec tous ses spécialistes et qui viennent chacun enrichir la discipline dont il est le représentant à partir de ce qu'il découvre sur place. Voilà donc la feuille de route d'Adrien pendant 13 ans, de 121 à 134, une période durant laquelle l'empereur ne fera en quelque sorte de Rome qu'une escale, mais je vous l'ai dit, il n'est pas de la ville de Rome à l'origine. Même si Marguerite Ursenard écrit de très belles pages où Adrien déclare une sorte d'amour contrarié à la ville éternelle, il n'est pas de là, d'une certaine manière, il est, si j'ose cette expression, un citoyen du monde. Le premier de ces voyages commence donc en avril 121 il s'embarque à Ostie, le port de Rome pour Marseille, pour la Gaule où il va passer notamment l'hiver à Lyon dans la capitale des Trois Gaules. Adrien visite ensuite la Gaule orientale, celle qui se trouve à l'est du Rhin. Il descend le Rhin en bateau, il visite Mayence en Germanie supérieure, il fait bâtir des fortifications, le fameux Limes dont une ceinture de 300 km. Ces fortifications sont en pierre, tout à fait solides pour permettre aux légionnaires d'envoyer des lances, des flèches, des projectiles sur les, les assaillants mais Adrien ne veut pas pour autant fermer l'empire. Il l'entente en assurer simplement la sécurité, ce qui n'empêche pas les échanges, échanges commerciaux avec ceux que les Romains appellent les barbares, mais aussi échanges culturels, échanges très nombreux. En 122, Adrien quitte les Balkans, il remonte le Rhin en bateau, il atteint le pays des Bataves, donc euh, les Pays-Bas, si vous voulez, avant de franchir la Manche et de passer dans ce qu'on appelle à l'époque la Bretagne, notre Grande-Bretagne à nous. Et il va faire élever, vous savez, le fameux mur entre l'Angleterre et l'Écosse, si j'ose dire, qu'on appelle toujours le mur d'Adrien, un ouvrage de 117 kilomètres, structuré par 14 forts, 80 tours où vivent les soldats, enfin, au pied desquels, en tout cas, le mur ne sera achevé que plusieurs années plus tard, c'est qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une des grandes constructions du monde antique et c'est classé, bien sûr, inscrit au, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Adrien revient ensuite en Gaule, à Aix, que nous appelons Aix en Provence, il fait construire des thermes, à Nîmes, l'impératrice Plotine lui dédie un temple, et d'ailleurs ce sera la seule fois que Nîmes recevra un empereur romain, il faut le signaler, c'est un cas. Fin 122, Adrien se trouve en Espagne, où il arrive pour rétablir l'ordre, alors que le territoire est menacé par le, des soulèvements de, de morts. Il est chez lui là, d'une certaine manière. La raison d'ailleurs de ces soulèvements, c'est que les détenteurs du droit italique dans le pays refusent la levée de troupes destinées à venir en aide à la 8 Légion Gemina, qui a été dépossédée d'une partie de ses effectifs qui avaient été justement envoyés en Bretagne. Finalement, Adrien réussit à convaincre les Espagnols si je puis dire, de la nécessité de faire allégeance à Rome et d'entrer dans ses légions. Mais au cours de ce séjour, il va risquer sa vie ainsi qu'il le raconte lui-même ou le raconte en tout cas son biographe officiel comme il se promène dans un parc voisin de Tarragone un esclave de son hôte qui le reçoit vient se jeter sur lui l'épée à la main avec fureur, Adrien l'arrête le remet à ses officiers qui accourent et s'étant convaincu que ce malheureux est fou, il charge des médecins du soin de le guérir, c'est-à-dire qu'au lieu de lui infliger les pires supplices comme aurait fait n'importe quel euh, empereur, et eh bien lui va le soigner, Marguerite Yourcenar va plus loin, elle nous dit carrément qu'il en fait son serviteur, ça on n'en a évidemment pas la preuve. Voilà ce qu'elle écrit, tiens, puisque je parle de Marguerite Ursenard, je reviens à elle. Bien des fois au printemps, quand la fonte des neiges me permit de m'aventurer plus loin dans les régions de l'intérieur, il m'est arrivé de tourner le dos à l'horizon du sud qui renfermait les mers et les îles connues, et à celui de l'ouest où quelque part le soleil se couchait sur Rome, et de songer à m'enfoncer plus avant dans ces steppes ou par-delà ces contreforts du Caucase vers le nord ou la plus lointaine Asie. Quel climat, quelle faune, quelle race d'hommes aurais-je découvert Quels empires ignorants de nous comme nous le sommes d'eux, ou nous connaissant tout au plus grâce à quelques denrées transmises par une longue succession de marchands et aussi rares pour eux que le poivre de l'Inde, le grain d'ambre des régions baltiques le sont pour nous à Odessos, un négociant revenu d'un voyage de plusieurs années me fit cadeau d'une pierre verte semi-transparente, substance sacrée, paraît-il, dans un immense royaume dont il avait au moins côtoyé les bords et dont cet homme, épaissement enfermé dans son profit, n'avait remarqué ni les mœurs ni les dieux. Mursenard voudrait presque nous faire passer Adrien pour une sorte de Marco Polo ici. Cette gemme bizarre fit sur moi le même effet qu'une pierre tombée du ciel météore d'un autre monde. Nous connaissons encore assez mal la configuration de la Terre. À cette ignorance, je ne comprends pas qu'on se résigne. J'envie ceux qui réussiront à faire le tour des deux cent cinquante mille stades grecs si bien calculés par Eratosthène et dont le parcours nous ramènerait à notre point de départ. Je je m'imaginais prenant la simple décision de continuer à aller de l'avant sur la piste qui déjà remplaçait nos routes. Et je jouais, je jouais avec cette idée. Franck Ferrand. Les grands portraits. 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, sur Europe 1, au voyage d'Adrien. Évidemment, au cours de ses voyages, Adrien fait des rencontres et c'est en Bithynie, à Claudiopolis, qu'il rencontre un jeune homme, Antinous, sans doute un esclave du reste, dont il va faire, vous le savez, son premier, son éternel favori. Au cours de ce séjour, il fonde les villes d'Adrianoï et dadriano C'est un vrai fondateur de ville. On parle toujours d'Alexandre le Grand mais que et de ses généraux, mais que dire d'Adrien En 124, en Sisyc, il fait bâtir un temple qui lui est dédié, souvent considéré comme une des merveilles du monde. Et il faut imaginer soixante-deux colonnes qui font vingt et un mètres de haut le fronton est décoré de statues de divinités au-dessus desquelles s'élève un buste colossal de l'empereur adrien Ensuite, Adrien va séjourner longuement à Pergame, une ville qui a fait alliance avec Rome au deuxième siècle avant Jésus-Christ et souvent considérée avec Rome, Alexandrie et Athènes comme une des plus belles villes antiques. C'est sous Adrien que Pergame connaît un nouvel apogée car l'empereur et vergette mystique et religieux s'empresse de faire édifier des temples dont un consacré aux divinités égyptiennes ainsi qu'un sanctuaire dédié au dieu de la médecine Asclepios, nous dit Joël Schmitt. En août 124, à Éphèse, il institue des jeux qui porteront désormais son nom, puis il s'embarque pour l'île de Rhodes où il va faire restaurer le fameux colosse, hein, le fameux colosse de Rhodes. De fin septembre 124 à mars 125, il est à Athènes, une ville qui va compter considérablement pour lui, on va y revenir dans un instant. Et puis fin septembre, il s'initie au rite ésotérique d'Éleusis, euh, avec tous les mystères d'Éleusis, vous savez. Robert Turcan parle de ces rites, ces mystères étaient des rites secrets qui représentaient le point culminant du culte agraire rendu à la déesse Déméter, nous dit-il. Adrien va euh, revenir euh, à Athènes, on le voit euh, également à Delphes. Il est à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est un peu sa période mystique, sa période religieuse d'une certaine manière. En 125, après un voyage de 4 ans, enfin, j'ai envie de dire enfin, il revient à Rome, mais tout de même par la mer. Hein, euh, il se dirige vers, euh, vers la Sicile. Il monte au sommet de l'Etna pour voir le lever du soleil, lit-on dans l'histoire Auguste. Ce soleil qui s'y montre, dit-on, sous les couleurs de l'arc-en-ciel. Dès lors, Adrien choisit de s'installer dans sa villa de Tibourg à quelques kilomètres de Rome. Au cours de ce premier voyage, où il s'est déplacé à cheval, en bateau, à pied, en char, en voiture collective, en litière, etc., l'empereur, on peut dire, était en quelque sorte un soldat parmi d'autres. Tout est très relatif évidemment parce qu'il jouit néanmoins d'un véritable confort au cours des fameux voyages qu'il entreprend. Il apprend aux soldats à supporter la fatigue, lit-on dans l'histoire auguste, vit lui-même au milieu d'eux, prend ses repas en leur présence et se nourrit comme eux de lard de fromage et de piquette, à l'exemple de tous les grands chefs de guerre. À l'été 128, après deux ans et demi, Adrien entreprend un nouveau voyage dans son vaste empire. Ce voyage-là va être beaucoup plus long. C'est un voyage où il va à la fois continuer d'embellir son empire, bien entendu, et en même temps vivre le drame personnel de la mort d'Antinous. À l'été 128, Adrien s'embarque donc à Ostie. Il fait étape à Sicile de nouveau puis il se rend en Maurétanie ce qu'on appelle aujourd'hui disons l'Afrique du Nord et on le voit à Carthage notamment dans l'actuelle Tunisie mais aussi dans l'actuelle Algérie au Maroc sa mission c'est de romaniser hein, c'est de fonder des villes toujours bien entendu de développer également l'économie locale avec notamment une culture intensive des oliviers c'est lui qui va lancer ça une culture intensive de la vigne également pour autant que ce soit possible puis Adrien repart pour Athènes en septembre 128. Ce qui est intéressant, on pourrait, on va, je vais poser la question à Catherine Salles dans un instant, mais on pourrait presque dire que pour lui, Athènes est la capitale de, de l'Empire. Ensuite, le voilà parti pour l'Orient. Il passe par la Turquie, par Antioche, il continue encore l'embellissement d'Antioche. Au printemps 130, il descend vers la Palestine. Palmyre est rebaptisé Adrianopolis. Pour lui, c'est un carrefour de toutes les caravanes venues d'Orient, même d'Extrême-Orient, d'Occident, etc. Et puis à Damas, les habitants construisent un arc de triomphe en son honneur et l'empereur va tenter de faire de Jérusalem une ville romaine avec des thermes, un théâtre, un infé, un portique, etc. Là Dessus aussi, nous reviendrons bien entendu. Adrien passe deux mois à Alexandrie où il va s'adonner notamment euh, à la chasse. Et puis c'est à ce moment-là, c'est dans la seconde quinzaine d'octobre 130, alors qu'il remonte euh, avec l'impératrice la vallée du Nil en bateau jusqu'à Thèbes. Et il voit là des monuments absolument euh, magnifiques. On le voit face à Hermopolis, à Béza, à mi-chemin entre Thèbes et Memphis. On le voit s'arrêter, installer un véritable camp. Et c'est ici que Antinoïs va se noyer dans le Nil. On est donc fin octobre 130. Dans quelles conditions est-ce que ce jeune homme de 19 ans est mort Est-ce qu'il a fait un malaise Est-ce qu'il s'est suicidé dans le Nil C'est la thèse que défend Marguerite Yourcenar évidemment. Eh bien, c'est aussi l'une des questions que je vais poser dans un instant à mon invité. Bonjour Catherine Salles. Nous n'avons fait qu'entamer le second voyage d'Adrien. J'ai oui. décidé d'évoquer cet empereur à travers ses voyages parce qu'il me semble qu'avant tout et plus que toute autre chose, il aura été un voyageur. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'empereur Adrien, avec votre invitée, hein, Catherine Salles, agrégée de lettres classiques, maître de conférences émérite à l'Université Paris 10, Nanterre, grande spécialiste de l'Antiquité romaine. Catherine Salles, il faut que vous éclairiez notre lanterne, si je puis dire. Est-ce que tous les Romains, et notamment tous les empereurs de Rome, ont voyagé comme a pu le faire Adrien ils ont tous beaucoup voyagé, en fait, moins qu'Adrien. D'abord, ils voyageaient parce que ils menaient souvent des campagnes militaires, donc ça les amenait dans des pays assez loin de Rome. Et beaucoup avaient la curiosité, en fait, des, de cet immense empire. Par exemple, Néron a fait euh, trois ans de voyage en Grèce et en Asie mineure. Mais c'est vrai qu'Adrien, lui, va élever ça au rang d'institution, en quelque sorte. Ce que ses contemporains, d'ailleurs, acceptaient mal. Mais il a marguerite Ursenard le dit euh, il a en quelque sorte ce goût inné du voyage mais en même temps il le fait en tant que bon empereur puisque il va vérifier L'administration dans toutes ces régions. Admirable administrateur. Admirable administration. Enfin, il y a encore des, des choses à changer. Et puis, il va, alors ça, c'est son tempérament personnel, il va découvrir toutes les merveilles architecturales ou autres du monde antique. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à ce lever de soleil sur l'Etna, sur sur oui, oui. c'est ça. Mais euh, on le voit dans différents endroits, il va visiter les curiosités naturelles. Bien sûr, on pourrait toujours se poser la question de la par, euh, qu'a mise marguerite ursenard dans les mémoires d'adrien. est-ce que c'est sa propre curiosité dont elle fait constamment l'éloge, ou est-ce que c'est celle de l'empereur? si l'on en croit la vie auguste hein, euh, d'adrien, si l'on en croit ses, ses mémoires officielles d'une certaine manière, il y avait bien en lui cette curiosité, ce respect, cette ouverture au monde. en fait, Adrien avait écrit son autobiographie que nous ne possédons plus, mais il est certain que l'auteur de la vie des oui, dans oui. les empereurs, euh, euh, la, la vie d'adrien, s'est beaucoup inspiré de Là. Et là, on voit qu'effectivement, vous l'avez souligné, il a passé 12 ans de son règne en dehors de Rome. Alors, Rome, c'est pas en plus sa ville à hein, Rome. Il est espagnol, il faut bien voir ça. C'est que c'est un espagnol. Et ça. Et Comme il, toute sa famille d'ailleurs. Il a été, euh, dès sa naissance, en quelque oui, sorte, oui, oui. formé à cette idée d'un empire multiple, immense, puisqu'il n'est pas amené à Rome. Ça, ça compte évidemment. Oui, oui, oui ça, il n'est pas vraiment romain. Ça a été le cas de la plupart des empereurs ce qu'on appelle les, les Antonins. C'est-à-dire, cette dynastie qui couvre Alors, le premier siècle de notre ère. Euh, il était lui-même le fils d'un cousin germain oui, Il de était le petit-neveu de Trajan. Voilà. Il avait épousé sa femme Sabine, était la petite-nièce de, de Trajan. Donc Ils se de la tous famille, entre il n'était quand même pas loin de la famille impériale. Ah, pas on du va tout, dire, non, hein. non, il Mais était vraiment. Ça. Et d'ailleurs, tous ces empereurs du second siècle de notre ère sont tous rattachés à cette famille de Trajan d'une façon ou d'une autre. comment Trajan l'a-t-il choisi Pourquoi va-t-il lui succéder parce que Trajan l'a eu à côté de lui, Trajan l'avait fait venir à la cour, Trajan était empereur, et il s'était rendu compte des qualités de ce jeune homme, et par conséquent, il l'a désigné comme héritier. Ce qui a d'ailleurs suscité pas mal d'antagonisme à Rome, les sénateurs étaient tout à fait contre Bien Adrien. Entendu. Il y a eu une conjuration au moment de l'arrivée au pouvoir d'Adrien, et d'ailleurs, Adrien, c'est un des seuls actes vraiment durs de son règne, a fait exécuter tous les, les meneurs de cette conjuration. C'est-à-dire qu'en fait, alors là encore, hein, c'est peut-être Marguerite Ursenard qui parle, mais on a l'impression qu'il répugne à la violence, mais oui. en tout cas, il n'hésite pas à l'employer quand c'est politiquement nécessaire. Exactement. Au tout début de son règne, euh, il va mater un certain nombre de révoltes, et puis surtout en 133, il y aura voilà. la terrible oui, oui. répression contre Jérusalem. Contre Jérusalem et contre la révolte de Bar Koshiba, oui. Ah, et puis même à la fin de sa vie, où il est devenu détesté. C'est très curieux d'ailleurs, ce personnage qui avait été assez aimé de ses sujets il est malade certainement et il tombe vers une sorte de de paranoïa et donc on le déteste. Oui. Est-ce que finalement, euh, il n'a pas eu les, les défauts de ses qualités Il était sans doute un surdoué, euh, c'était un génie de l'administration, et au bout d'un moment, il est devenu un peu un maniaque de l'administration. Est-ce qu'on peut dire ça Il a quand même un peu suradministré l'Empire, notamment ah oui. sur un plan oui, fiscal. Il a, hein. il a fait beaucoup de réformes, dont une qui, à mes yeux, est très importante, c'est que tous les bureaux impériaux, c'est-à-dire les ministères, on dirait de nos les ministères, étaient encore à cette époque-là dirigés par des affranchis impériaux. C'était Claude, l'empereur Claude, qui avait institué ça. Et Adrien a eu l'idée de remplacer ces affranchis impériaux par des chevaliers. Les chevaliers étant la seconde classe de la, de la société romaine. Et c'est vrai que là s'ouvre une carrière tout à fait extraordinaire pour ces chevaliers. Bon, un des plus connus est l'historien suétone, qui a été nommé par Adrien, ministre en quelque sorte des bibliothèques, de, de, de l'ensemble des bibliothèques publiques de l'Empire, en quelque sorte un ministre de la culture. Mais c'était une, une mesure, si j'ose employer cette année. Un anachronisme très progressiste, d'une certaine progressiste. manière. Et surtout qui permettait aux chevaliers d'avoir des carrières tout à fait comparables dans leur domaine à celles des sénateurs. On voit aussi sous Adrien le droit prendre forme. Hein. C'est un grand codificateur. C'est un, un grand codificateur. Il a eu euh, près de lui un juriste qui s'appelait Salvius Julianus et qui a fait ce que l'on appelle l'édit perpétuel. L'édit perpétuel, il a rassemblé toutes les lois qui existaient et Dieu sait que les Romains étaient euh, féconds en la matière. Parce que chaque fois qu'il y avait un petit problème, il ne réunissait pas une commission, il faisait une loi. Et donc toutes ces lois ont été réunies. Après, il y aura le digeste, plus tard, il y aura d'autres choses. Mais c'était quelque chose de très important, parce que ça permettait dans tout l'Empire d'être jugé avec les mêmes lois. Alors on va venir tout à l'heure aux aspects plus personnels, plus privés, oui, au oui. caractère d'Adrien. Mais pour l'instant, puisque nous en sommes à la politique, il faut peut-être insister sur le goût qu'il avait du commerce. C'est un homme oui. qui a favorisé les échanges. Il a favorisé les commerces. Il a favorisé les paysans. Les agriculteurs, et... hein, c'est ça Les voilà, agriculteurs. Oui. Il a autorisé des sortes, je ne dirais pas de syndicats, c'est un terme trop moderne, mais d'union de, des agriculteurs pour unir leurs forces en quelque sorte et leurs pauvres richesses pour cultiver les terres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'évidemment, euh, il ne s'agit pas, comme on avait pu le faire un certain nombre de ses devanciers, d'imposer dans les différentes régions euh, des cultures que Rome avait choisies, notamment céréalières, pour tout dire. Euh, dans son cas, il respecte l'agriculture locale oui, oui. qu'il développe et qu'il développe sur un plan commercial en enrichissant le droit, si je puis dire. C'est comme, oui, oui, comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il va y avoir, selon les régions de l'Empire, des productions différentes qui vont être ensuite distribuées dans l'ensemble de l'Empire. Quelles sont les sources dont on dispose pour connaître l'œuvre d'Adrien bah... Euh, l'histoire Auguste, hein, la vie d'Adrien dans l'histoire Auguste, mais qui est quand même inspirée. Il ne peut être qu'un peu oui, forcément. Et qui est inspiré par l'autobiographie d'Adrien. Mais c'est vrai qu'on a quand même des historiens qui en ont un peu parlé. Suétone, pas beaucoup, mm -hmm. mais enfin, Suétone s'est beaucoup plus intéressé aux 12 premiers Césars. Mais on a Dion Cassius, qui est un grand historien grec du second siècle, qui parle d'Adrien dans son œuvre, et pas d'ailleurs de façon très sympathique, <laughs> il faut bien le dire. Alors justement, <laughs> c'est intéressant de voir que ce grand administrateur, ce grand fondateur de cité, ce personnage très ouvert qui a fait progresser le droit romain pour les esclaves, enfin pour les esclaves certes, pour les affranchis, pour les petites gens notamment, etc. C'est très étonnant de voir que peu à peu il se soit coupé de son peuple. Vous nous dites qu'il est mort assez détesté finalement. Oui, parce que les deux ou trois dernières années de sa vie, il était très malade. Alors on a dit que c'était la tuberculose qu'il avait. Bon, c'est possible parce qu'il a craché du sang, mais enfin il n'y a pas que dans la tuberculose qu'on crache du sang. Et surtout, sa maladie a Apparemment, lui qui avait été un athlète, qui avait été un homme. mais oui, ça, on va y euh, venir, bien sûr. Oui. Oui. Eh bien, euh, là, probablement, ça l'a replié sur lui-même et il est devenu très dur à l'égard des autres, même cruel par certains côtés. Il s'était retiré la plupart du temps dans sa très belle villa Adriana eh de, oui. de Tibur oui. Tivoli et euh, les, les, les gens ne l'aimaient pas. Hein. Les, les et surtout d'ailleurs les classes dirigeantes. Il étaient le leur probl... rendait bien parce que oui. finalement, euh, ce ce Romain d'origine hispanique si je puis dire qui avait passé sa vie à voyager et qui avait fait plus ou moins d'Athènes la capitale de l'empire oui, oui, car c'était Athènes pour lui hein, oui, qui devait c'était un grec oui. d'ailleurs ses concitoyens l'appelaient le Graeculus voilà. c'est-à-dire le petit grec et hein. ça. Que, il oui. parlait d'ailleurs euh, plus oui, volontiers il grec que plus latin tous les hommes cultivés par les Grecs et Latins. Oui, bien sûr. pas. Enfin, lui, c'est vrai, préférait le Grec. De mais loin. il n'aimait pas Rome. Et oui. encore une fois, c'est vrai qu'il y a ces belles pages dans les mémoires d'Adrien sur Rome, mais qui sont quand même toujours en demi-teinte, oui, qui sont oui, toujours aigre-douces. Oui, pas... Et surtout, il avait une véritable haine, et ça, il l'a eu dès son plus jeune âge, et il avait quelques raisons. Une véritable haine pour les grandes familles patriciennes romaines, pour, pour cette espèce de mondanité ah, oui. sénatoriale ah, oui, oui, oui. qu'il détestait. Il détestait. En fait, oui, ouais. il détestait cela parce que c'était pas un homme qui aimait. La flatterie, d'abord. À, à différence d'autres empereurs, il aimait pas beaucoup que on ne sait pas être divinisé. Il pas être divinisé, il le sera quand même, mais il aimait pas toutes les manifestations euh, d'adulation qui avaient été le cas d'un de ses prédécesseurs, Domitien, hein, puisque Domitien avait été, avait amené le, euh, le culte impérial oui, de son vivant sommets. à des sommets. <laughs> Et lui, c'était pas ça. Et donc, on ne savait pas par quel bout le prendre en quelque sorte, parce que euh, on ne pouvait pas euh, le flatter. On ne pouvait pas obtenir des avantages par la flatterie, justement, et par conséquent, les grandes familles, les familles sénatoriales, ne l'aimaient pas. Et puis, il y a eu cette, ces avantages accordés aux chevaliers qui n'ont pas été appréciés non plus des sénateurs. C'est un énorme paradoxe que d'avoir un chef d'État, on peut même dire à ce niveau-là, un homme d'État qui, tout bon administrateur qu'il soit, n'aime pas les affaires humaines. Si je puis dire, n'aime pas tout ce qui relève de la flatterie, vous le disiez, tout ce qui relève de la politique, finalement. Oui. C'est un grand paradoxe et ça ne pouvait que conduire à de grands malentendus. On peut dire d'une certaine manière que non seulement Adrien était fait pour voyager, mais que, vous allez le voir dans un instant, il était fait pour le bonheur. Heure. Au cœur de l'histoire, les grands portraits sur Europe 1. Franck Ferrand. Et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand de l'Empereur Adrien, avec votre invité, hein, Catherine Salle, agrégée de lettres classiques, maître de conférences émérites à l'Université paris Nanterre, grande spécialiste de l'Antiquité romaine. Je rouvre les mémoires d'Adrien, de Marguerite Ursenard, euh, au cœur même de la gloire de l'Empereur, dans ce chapitre qui s'appelle « Saeculum Aureum »,« Le, le siècle d'or ». Tout bonheur est un chef-d'œuvre, fait dire Marguerite Ursenard à l'empereur Adrien. La moindre erreur le fausse, la moindre hésitation l'altère, la moindre lourdeur le départ, la moindre sottise l'abétit. Le mien n'est responsable en rien de celle de mes imprudences qui plus tard l'ont brisé. Tant que j'ai agi dans son sens, j'ai été sage. Je crois encore qu'il eût été possible à un homme plus sage que moi d'être heureux jusqu'à sa mort. C'est quelque temps plus tard, en Phrygie, sur les confins où la Grèce et l'Asie se mélangent, que j'eus de ce bonheur l'image la plus complète et la plus lucide. Nous campions dans un lieu désert et sauvage, sur l'emplacement de la tombe d'Alcibiade, qui mourut là-bas victime des machinations des satrapes. J'avais fait placer sur ce tombeau négligé depuis des siècles une statue en marbre de Paros, l'effigie de cet homme qui est un de ceux que la Grèce a le plus aimé. J'avais aussi donné l'ordre qu'on y célébrât chaque année certains rites commémoratifs les habitants du village voisin s'étaient joints aux gens de mon escorte pour la première de ces cérémonies. Un jeune taureau fut sacrifié une partie de la chair fut prélevée pour le festin du soir. Il y eut une course de chevaux improvisée dans la plaine des danses auxquelles le bitinien prit part avec une grâce fougueuse un peu plus tard au bord du dernier feu rejetant en arrière sa belle gorge robuste. il chanta j'aime à m'étendre auprès des morts pour prendre ma mesure ce soir-là je comparais ma vie à celle du grand jouisseur vieillissant qui tomba percé de flèches à cette place défendue par un jeune ami et pleuré par une courtisane d'athènes ma jeunesse n'avait pas prétendu au prestige de celle d'alcibiade ma diversité égalait ou surpassait la sienne j'avais joui tout autant réfléchi davantage travaillé beaucoup plus j'avais comme lui l'étrange bonheur d'être aimé. Alcibiade a tout séduit même l'histoire et cependant il laisse derrière lui les monceaux de morts athéniens abandonnés dans les carrières de Syracuse, une patrie chancelante, les dieux des carrefours sottement mutilés par ses mains. J'avais gouverné un monde infiniment plus vaste que celui où l'Athénien avait vécu, j'y avais maintenu la paix, je l'avais gréé comme un beau navire appareillé pour un voyage qui durerait des siècles. J'avais lutté de mon mieux pour favoriser le sens du divin dans l'homme, sans pouvoir y sacrifier l'humain. Mon bonheur m'était un paiement. On peut dire que dans cette page absolument magnifique, Adrien n'est pas fâché avec lui même, d'une certaine manière. Était il conscient des qualités qui avaient fait de lui un grand empereur, Catherine Salle? Nous ne le savons pas dans les textes que nous avons, il n'en parle pas, mais il était quand même certainement conscient de la façon dont il dirigeait l'Empire avec beaucoup de sagesse et beaucoup de compétences, parce que c'est quand même le cas et c'est vrai que c'est sous son règne que ce siècle d'or hein, qui est le second siècle de notre ère, ce siècle des Antonins, a atteint son apogée. Alors, il avait une épouse. Euh, oui, Plotin, il avait une il épouse parler. qui s'appelait Sabine, euh, qui était la petite nièce de, de Trajan. Ils n'ont pas eu d'enfant. Les femmes de la famille de, de cette famille de Trajan et des autres ont eu un rôle important. Plutine, la femme de Trajan, Sabine, euh, Plutine a joué un rôle essentiel. Oui, en fait, parce, hein, parce qu'elle était très attachée à ce jeune Adrien, Adrien, et oui. c'est elle qui a poussé beaucoup son mari à l'adopter. Mais euh, ce sont des femmes, en tout cas, qui n'ont pas donné d'exemple, comme l'avaient fait les femmes de la dynastie des Julio-Claudiens. Nous sommes loin d'Agrippine, ou de Messaline, ou de toutes ces femmes-là. Non, apparemment, elles ont été de bonnes épouses. Peut-être la, la, femme de Marc Aurel, mais ça, c'est, plus tardif. Et ils avaient eu quand même 11 ou 12 enfants. Je me en rappelle plus, Marc Aurel et sa femme. Mais, elle, probablement, elle l'a trompé. Bon, on veut ça. Et c'est ainsi que le fils qui va succéder à Marc Aurel Commode serait le fils d'un gladiateur, en fait. Alors, auquel il ce n'est pas la femme d'Adrien qui est non. entrée dans l'histoire. Ah évidemment, c'est son Antinous, jeune favori, bien sûr, ce magnifique Antinous, et je pense que beaucoup de des auditeurs ont pu voir cette statue extraordinaire d'Antinous qui se trouve au musée de Delphes en Grèce. C'est la beauté. beaucoup reproduite, qui a d'ailleurs oui. été copiée à la Il y en a, y hein. en a partout, hein, mmh. les statues, il l'avait fait représenter partout, surtout après sa mort. Mais euh, la plus belle est sans compter celle de Delphes. On ne peut que tomber amoureux de ce jeune homme quand on le voit statufié de cette façon-là. Une sorte de perfection. Oh, C'est la perfection. Euh, 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 bon, c'était un tout jeune homme, il devait avoir une quinzaine d'années probablement. Et leur liaison a été courte parce que ils n'ont vécu ensemble que deux ans, hein, puisqu'il est mort euh, très rapidement. Ce et... jeune lévrier s'est couché ah, sur ma vie, dit-il. Ah oui, ah oui. C'est très joli. Non, enfin, mais... c'est Marguerite qui lui fait dire ça. Alors, est-ce que Marguerite n'a <laughs> pas embelli Mais c'est vrai que quand on a vu les statues d'Antinous, on ne peut que comprendre, Adrien, parce mais que ces statues, si elles sont si nombreuses et si tout le monde a pu un jour ou l'autre les oui. voir, quand on voit la statue antique euh, archétypale, c'est presque toujours, enfin une fois sur deux, je dirais, c'est Antinous. Antinous. Hein. Et euh, s'il y en a autant, c'est parce qu'Adrien a exigé que ce soit mais ainsi. C'est ça. Après, la mort du, du jeune homme, il en a fait un dieu. Donc, il y avait des statues, forcément. des voilà. statues auxquelles on rendait un culte. Il a même créé une cité entière. Oui, oui, Antinoé oui, Bien sûr. Oui, oui. Qu'il a construite dans le désert. Dans le ça. désert oui Alors, est-ce que c'est ça qui explique son caractère devenu difficile avec le temps Probablement pas, parce que. La mort d'Antinoïs, vous voulez dire Oui, la mort d'Antinoïs. Parce que, quand même, Antinoïs est mort en 130 de notre ère. Et c'est vers 135 que Adrien commence à devenir insupportable. Il est hypochondriaque, il est cruel, ce qui n'avait pas été pendant toute sa vie. En même temps, les premières grandes répressions, c'est 132. Oui. Euh, le sac de Jérusalem, c'est 133. 135. Oui, 133. Et donc, la révolte, c'est 135. 35, oui. Donc, euh, oui. Quelque part, on peut quand même dire qu'il y a une certaine concomitance. C'est-à-dire qu'on n'avait oui. jamais vu oui, oui, oui. Adrien devenir aussi dur qu'après la mort de son, mort de son amant. Oui. Ça, rien ne nous le dit, sauf Marguerite bien sûr. Mais de, à son époque, rien ne nous le dit, mais ça, il y a certainement eu des répercussions. Parce que ça a dû être pour lui, enfin, d'après ce que nous pouvons en savoir, l'histoire Auguste nous dit il perdit son cher Antinous, qu'il pleura comme il l'eût fait d'une femme. Ce qui est un peu. <laughs> Un peu curieux comme expression, parce que sa femme, bon, là, lui a survécu, mais bon, c'était son amant et c'était son son aimé surtout. Il l'a aimé d'un amour extraordinaire, Alors, certainement. Ap, après cela, il rentre à Rome et oui. cette fois, il y rentre pour de bon. Oui. Il s'installe dans cette euh, fabuleuse, ah, cette fabuleuse villa, Adriana. villa Adriana. Il faut donner à nos auditeurs l'envie ah, d'aller oui. visiter ceci. Aller ce site. à Tibur-Tivoli ah, oui. voir la villa Adriana, qui est un petit peu déconcertante parce qu'il a voulu mettre dans cette villa Adriana tout ce qu'il avait admiré dans le monde entier. Et donc on retrouve des euh, des coupes pas des copies, mais des évocations de monuments qui se trouvaient en Grèce, qui se trouvaient en Asie Mineure, qui se trouvaient un peu partout. Et c'est très, très compliqué, le plan de la Villa Adriana. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de. a du devoir... mal à la comprendre. Oui, j'ai eu l'occasion de... de faire le compte-rendu, enfin, d'expliquer comment se présentait la Villa Adriana. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal, parce que c'est constamment en biais. Il faut partir dans un endroit, puis après revenir en arrière, repartir. Il y a le sublime Canop. Ah oui, le Canop. Il y a le. Canope, cette salle qui est octogonale avec euh, autour d'un bassin, enfin tout est magnifique. Hein, tout est et, magnifique et cette oui. espèce de petit îlot avec un temple au milieu voilà, du bassin. Un rond, au milieu, tout puis à la fait copie, là, il ne reste plus grand-chose, mais il avait fait apporter là des statues du monde entier, des très belles statues du monde entier. Paul Veyne, dans son ouvrage sur l'Empire gréco-romain, revient justement sur cette volonté d'Adrien d'aller chercher un peu partout les, les trésors de son propre empire. Qu'on songe, écrit-il, à la série des monnaies d'Adrien qui portent au revers, les allégories féminines des diverses régions et provinces de l'Empire et à la série de reliefs montrant les mêmes allégories qui décoraient le temple du divin Adrien à Rome. Et oui, puisqu'il avait été, oui, comme oui, presque oui, tous oui, les empereurs, il avait, divinisé. Il a eu, euh, son successeur a eu beaucoup de mal pour le faire diviniser. <laughs> Il apparaît que, dans les mentalités du moins, nous dit Paul Vaine, le règne d'Adrien fait passer l'Empire d'une hégémonie romaine ou italienne à un Empire unifié, œcuménique, et annonce l'acte de Caracalla qui en 212 fait citoyens romains tous les hommes libres de l'Empire et abolit ainsi la distinction entre dominant et dominé. Tout ça vient d'Adrien oui, il était parce qu'il n'était, vous l'avez dit à plusieurs reprises et c'est tout à fait exact, il n'était pas romain en fait. Adria. Il était grec. Il était grec et il était très cultivé dans la philosophie grecque, et dans les, la littérature et l'art grec. Et d'ailleurs, si on le voit avec une barbe, alors les, les méchantes langues disaient qu'il avait un défaut au menton et qu'il avait fait pousser la barbe pour cacher ce défaut. En fait, c'est pas ça du tout. C'est parce que les philosophes grecs portaient la barbe et qu'il avait voulu se présenter en tant que philosophe grec. Il écrivait aussi, bien entendu, il faut le oui. dire. Alors, il avait écrit ces fameux mémoires qui ont disparu. Vous m'avez apporté de petits poèmes. <laughs> C'était Florus qui lui avait envoyé un, un, un petit poème. En lui un de disant, ses amis, un poète ami, voilà. hein, Florus. Moi, je ne veux pas être César, déambuler chez les Bretons, me tapir chez les Germains, endurer les froids de City. À quoi répond euh, Adrien moi, je ne veux pas être Florus, déambuler dans les tavernes, me tapir dans les cabarets, endurer les moustiques d'odus. Il avait écrit aussi... Oui, ça c'est gardé, heureusement, dans l'histoire auguste, ces deux petits poèmes, oui. Cette très, ce très joli oh. petit poème. Et ce qu'il faut dire, c'est que Marguerite Ursenard en a fait les, les titres oui. de ses, ah oui, oui, des oui, chapitres de son livre. Hein, et et s'en était inspiré presque mutamou hein, de cette, ce poème Hamlet, Vaguelette. Animoula, Vagoula, blandula voilà. ». Vous pouvez oui. nous le dire, peut-être Alors, je vais vous le dire. Oui, en latin, quand même. même oui, mais bien euh, sûr, bien sûr, La musique est tellement belle en latin. Puis vous traduirez après. Oui, je traduirai <laughs> après. « Animula, vagula, blandula, ospes, comesque, corporis. Quae nunc abibis in loca, palidula, rigida, nudula, nec, utsoles, dabis, iocos. » Ce qui signifie « amelette, vaguelette, calinette, hôte et compagne de mon corps » qui maintenant t'en va dans ces lieux livides glacés et dénudés tu ne lanceras plus tes plaisanteries habituelles merci beaucoup Catherine Salles, d'avoir pour nous ressuscité l'amelette du grand du merveilleux adrien Europe 1, au cœur de l'histoire retour aux origines et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Massimiliano il voulait savoir depuis quand nous portons des pantalons alors le pantalon vient d'abord, ça. Il faut dire que le, le, le terme. D'abord, pendant très longtemps, on disait les pantalons. Maintenant, on dit le pantalon. Bon, c'est ainsi. Ça vient évidemment du personnage de la comédie à l'art, Pantalone, qui en portait, pour sa part, de très beaux, bien entendu. Ça remonte très, 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 très loin cette histoire. Et il faudrait que je vous parle des Breys euh, celtiques. Hein. Dès le VIe siècle avant notre ère, euh, on voyait un certain nombre de cavaliers, notamment les sites iraniens, les Achaémenides hein, en, en Perse, les Phrygiens, et puis donc euh, les Gaulois portaient euh, ces espèces de pantalons avant la lettre, si l'on peut dire la constante, c'est que, en fait, on a toujours, euh, au fil des siècles, les brèves vont évoluer, si vous voulez, hein. certaines sont souples, d'autres rigides, d'autres courtes, d'autres longues. mais la constante, c'est que le pauvre revêt toujours des brèves plus larges que le seigneur, comme si, en quelque sorte, pour avoir droit à porter des vêtements très ajustés, eh bien, il fallait avoir les moyens de se payer le tailleur, tout simplement. la mode va évoluer. les hommes commencent, euh, dans un premier temps, par porter, vous savez, des hauts-de-chausses avec des bas, qu'on appelait des, des chausses, et puis euh, ces, ces autres choses vont devenir peu à peu la culotte, qu'on appellera la culotte à la française euh, plus tard. C'est avec la révolution que, euh, par antiphrase, le peuple va se donner le nom de sans culotte, c'est-à-dire le peuple qui n'a pas les moyens de porter justement ces belles culottes bien ajustées que portaient les, les seigneurs de la cour. Il y a une véritable révolution vestimentaire, puisque ce vêtement, au départ tout à fait populaire, presque indigne, un vêtement paysan, d'une certaine manière va devenir au contraire petit à petit un signe d'élégance au XIXe siècle les hommes renoncèrent à leur droit d'employer les diverses formes de parures brillantes guère affinées sans en dessaisissant entièrement au profit des femmes l'homme cédait ses prétentions à la beauté il prenait l'utilitaire comme seule fin nous dit John Karl Flüger dans ce qu'il appelle la grande renonciation alors ce qui est amusant c'est que pendant très longtemps évidemment les pantalons sont l'apanage des hommes mais que les femmes vont se battre à leur tour pour avoir le droit, peut-être pas de porter la culotte, mais en tout cas de, de mettre des pantalons. Euh, ça va être très long, hein, cette, cette bagarre, cette bataille, si je puis dire, jusque dans des années assez récentes, jusque dans les années 1970 et, et 1980, disons-le. Or, vous savez qu'une loi du 19e siècle interdisait aux Parisiennes, la loi elle avait été votée en 1800, interdisait aux Parisiennes de porter un pantalon. Personne n'avait jamais songé à l'abroger, cette loi. Alors il y a longtemps qu'on ne la respectait plus, mais... Ces choses faites, sachez que depuis le 31 janvier 2013, les Parisiennes sont en règle, elles ont tout à fait le droit.